Bonsoir. Les puissances occidentales ont fini par céder à la pression de leur propre opinion, émue par la tragédie kurde. Les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne ont décidé d'envoyer des soldats dans le nord de l'Irak pour protéger les réfugiés kurdes et pour leur permettre de recevoir des vivres, des médicaments et des couvertures en toute sécurité. Jean-François Gringoire. Ils sont les premiers soldats américains arrivés près de la frontière avec l'Irak pour assurer l'intendance des camps de réfugiés côté turc. Dans les jours qui viennent, 5 à 6 000 de leurs camarades de l'US Army vont se joindre à eux pour accomplir la même mission, mais cette fois en Irak. Des militaires français et anglais vont se joindre à eux. Ensemble, ils auront pour mission de créer 5 à 6 camps de regroupement pouvant accueillir 60 000 personnes chacun. Depuis plusieurs jours déjà, des hélicoptères accomplissent des repérages en territoire irakien pour trouver les lieux les plus propices pour de telles installations. Des soldats américains sont déjà dans le nord de l'Irak. À la demande de Washington, c'est la France qui est chargée de la coordination de cette action humanitaire. Bernard Kouchner va se rendre sur place dans les heures qui viennent et Paris s'apprête à envoyer 1 000 000 de personnes, dont 200 militaires dans le nord de l'Irak. But de l'opération, faire redescendre des montagnes les réfugiés kurdes pour faciliter leur assistance, mais aussi pour les éloigner de la Turquie inquiète face à cet afflux de population kurde, synonyme de déstabilisation pour Ankara. Si Bagdad a condamné l'initiative occidentale, le Pentagone estime qu'il ne devrait pas y avoir de problème avec les troupes irakiennes, mais il a cependant mis en place en Turquie une force de réaction rapide au cas où. Cette initiative a été prise pour une raison strictement humanitaire, mais elle semble embarrasser Javier Pérez de Cuellar, le secrétaire général de l'ONU qui a rencontré aujourd'hui le président Mitterrand, aurait peut-être souhaité une plus grande concertation. Écoutons-le. C'est une présence militaire sous les chapeaux des Nations Unies. Bien sûr, il faut que j'obtienne les consentements, pour ainsi dire, des conseils de sécurité. Autrement, bien sûr, ce sont des pays qui ne requièrent pas le drapeau des Nations Unies. Bien sûr, la situation est tout à fait différente. À ses yeux, la présence de militaires occidentaux pose un problème juridique, et cela d'autant plus que Bagdad s'y oppose. Le vœu de Boris Yeltsin a été exaucé. Le rival de Mikhail Gorbatchev souhaitait être reçu par François Mitterrand. Il a été, mais il reste incorrigible. Il est arrivé avec une heure de retard. Et les deux hommes doivent sans doute parler en ce moment même des difficultés que tous les pays de l'Est éprouvent actuellement. François Mitterrand s'en rendra compte sur place dès demain. Le chef de l'État sera en effet en Roumanie et rencontrera aussi bien les dirigeants actuels que les représentants de l'opposition. Cette opposition profitera sans doute de l'occasion pour lui dire que les ex-communistes ne se sont pas vraiment convertis au libéralisme. Reportage de nos envoyés spéciaux Pascal Verdeau et Yves Barbe. Le lycée informatique de Bucarest, seul établissement consacré à cette filière dans la capitale. La plupart des élèves, diplôme en poche, rêvent de décrocher une bourse à l'étranger. Pour ces garçons et ces filles, tous francophiles de cœur, la visite de François Mitterrand est un événement important. Pour leur pays, dont l'isolement les blesse, pour l'image de leur gouvernement, terni par la répression des mineurs en juin dernier. L'arrivée des mineurs, c'était comme un retour au Moyen-Âge. C'était affreux, horrible. J'ai été dans les rues et c'était horrible, les mineurs. Et la chose qui m'a le plus frappé est que le président encourageait ça. Le régime et tout ça, ça n'a pas d'importance. Parce que François Mitterrand, au fond, c'est le représentant de la France. Et il faut essayer de faire comprendre aux Français que la Roumanie, c'est pas... C'est pas un pays du Moyen-Âge, c'est quand même un pays où il y a beaucoup de gens qui sont cultivés et qui veulent avoir accès à l'information que la France peut nous apporter. Du côté de l'opposition, à la recherche d'un leader et d'un projet politique, les opinions sur la visite de François Mitterrand sont mitigées. Nouvelle chance pour la démocratie, affirment les uns, qui estiment que François Mitterrand devrait peser de son autorité morale pour infléchir le régime. Caution internationale, affirment les autres, mais à voix basse. Je crois qu'il aurait mieux valu que cette visite soit remise à plus tard. En attendant que la situation de la Rouen s'éclaircisse d'une certaine façon. Cette visite présidentielle est tout d'abord une chance pour le peuple roumain, parce qu'il avait besoin de ne pas se sentir abandonné.
et j'espère qu'elle peut donner aussi une chance à la démocratie roumaine. Soutien au régime ou ancrage de la Roumanie à l'ouest, l'opposition ici à Bucarest est divisée sur le voyage de François Mitterrand. Mais comme souvent dans ce pays, entre vérité et mensonge, le débat est avant tout un débat moral. Sous les fastes du palais de Ceaușescu, les Roumains disent aux Français « ne nous oubliez pas ». Quant au président roumain Ion Iliescu, très contesté par l'opposition, il admet avoir commis des erreurs. Témoignage en forme d'autocritique recueilli par Norbert Balit. Je pourrais dire qu'il a un bilan positif en ce qui concerne les évolutions de la vie politique. En ce qui concerne l'économie, j'ai déjà souligné, cette année surtout sera marquée par les difficultés majeures. Et dans la vie du peuple, dans la vie sociale du pays. En ce qui concerne l'activité personnelle, l'activité du pouvoir, dans des moments assez difficiles, assez compliqués, des changements, on ne peut pas être parfait dans ses actions. Et, bien sûr, il y a beaucoup de moments que nous pouvons marquer comme des moments de faiblesse de la nouvelle pouvoir et de faiblesse personnelle en ce qui concerne la maintenance de dialogue avec tous les secteurs de la vie politique, de la vie sociale. C'est peut-être la première faiblesse en ce qui me concerne, en ce qui nous concerne. La version longue de cet entretien sera diffusée par Soir 3, ce soir. Une nouvelle nous parvient à l'instant de Dijon. Un douanier a été libéré, l'autre douanier a été maintenu en détention. Ils avaient été écroués et inculpés dans le cadre de l'enquête sur la saisie contestée d'une demi-tonne de résine de cannabis. En France, l'État qui a besoin d'argent traque tous ceux qui réussissent à échapper au fisc, même s'ils le font en toute légalité. C'est le cas de plusieurs entreprises qui s'étaient engouffrées habilement dans une faille du dispositif fiscal, mais Michel Charras réclame son dû. Et vous connaissez Michel Charras, il est têtu. Samuel Costa. Pour les entreprises en question, la méthode était simple. Il s'agissait de disposer d'un maximum d'obligations au moment de présenter les comptes aux percepteurs. Par exemple, une obligation de 1000 francs, en dehors du bénéfice de 100 francs sous forme de coupon, donne droit à une réduction d'impôt de 10 francs. C'est le crédit d'impôt. Le jeu consistait à acheter le maximum d'obligations, donc à accumuler les réductions d'impôt, quitte à revendre les obligations par la suite. Aujourd'hui, le fisc reproche à ces entreprises de s'être ruées sur le filon avec un seul but, payer le moins d'impôts possible. Autrement dit, il y aurait abus de droit. Mais l'opération était légale, d'au moins jusqu'en 89, date à laquelle les textes ont été modifiés. En attendant, la Direction générale des impôts multiplie les redressements sur les années 87, voire 88, le fisc en attend 5 milliards. Les entreprises font en cela aveu avoir utilisé une faille dans une circulaire du 13 janvier 83. Tout va mal décidément chez Michelin. La direction annonce aujourd'hui une perte de plus de 5 milliards de francs pour l'année 90. Et les syndicats éprouvent le plus grand mal à mobiliser les salariés de la firme contre les suppressions d'emplois. Marie-Hélène Tichoux. La réunion du comité central d'entreprise a juste été interrompue deux fois. Le matin par 150 salariés qui ont envahi la salle pendant une heure. L'après-midi, ils étaient 80, ils sont juste restés 10 minutes. Direction et élus du personnel examinaient l'activité de la firme et surtout l'application du plan social avec ses 4900 suppressions d'emplois. Pour les gens de l'usine, les carottes sont cuites. La décision est déjà prise au niveau ministériel. On a chiffré que ça coûterait 1,4 milliard. Donc il n'y a plus rien à faire, c'est décidé. Je ne veux pas vous dire qu'on a réussi à mobiliser, je veux dire, ça serait un mensonge que de dire ça. Un peu de baume au cœur quand même des syndicats. La manifestation d'hier soir, la mobilisation des commerçants de la ville qui avaient baissé leurs rideaux et pour la première fois un défilé interprofessionnel pour défendre les Michelin. Mais ce matin, la direction a confirmé une mauvaise nouvelle. Les pertes du groupe en 1990 s'élèvent à plus de 5 milliards de francs. Les dirigeants pensent que le groupe restera dans le rouge encore cette année. Inquiétant, le nombre des accidents du travail augmente. Plus d'un millier de salariés meurent chaque année, en particulier sur les chantiers. Le ministre du Travail, Jean-Pierre Soisson, a présenté ce matin au Conseil des ministres un projet de loi. Il vise à renforcer le contrôle des salariés et des syndicats sur les conditions de travail et de sécurité, notamment dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics. Reportage de Claude Guénaud et Christophe Hérault. Le futur centre commercial de Rueil-Malmaison sort de terre.
Dans un coin du chantier, un amas de ferraille tordu, c'est ce qui reste d'une grue qui s'est écrasée le mois dernier. C'est quoi les morceaux de métal qu'il y a là? C'est de la grue qui a tombé là-bas. Et l'ouvrier? Ah, il est mort. Le gloutier, vous dites? Ah, il est mort. Parce que c'est haut, ça, hein, quand il tombe. Lakhtar Geraz, 55 ans, le grutier, est mort sur le coup. Par heure travaillée, il y a en France un blessé toutes les 10 secondes, un mutilé toutes les 2 minutes et un mort toutes les heures et demie. Les accidents du travail tuent plus de 1000 personnes par an. C'est dans le bâtiment et les travaux publics que les ouvriers sont le plus exposés. Pendant la récente période de croissance, le nombre d'accidents mortels a augmenté de 40%. Cette hausse est spectaculaire depuis 2 ans pratiquement, et surtout sur le nombre de morts. Lorsque une grue se casse la figure, lorsque un pan de mur se casse la figure, eh bien, il y a nécessairement des négligences, et des négligences importantes. Francisco Ferreira, maintenant invalide à 20%, a passé un an à l'hôpital après une chute de 3 étages sur le chantier où il travaillait comme plâtrier. On avait demandé un échafaudage au patron, mais il ne nous l'a pas amené. Donc nous, on a été obligés de faire un échafaudage avec ce qu'on avait là-bas dans le chantier. On avait juste 2 échelles et puis des planches qui étaient montées sur des plaques. Puis c'est les plaques qui étaient en bas qui ont glissé, puis tout l'échafaudage a glissé avec lui. À son retour de l'hôpital, Francisco Ferreira a été licencié par son employeur pour inaptitude physique. Après 3 ans de chômage, il se retrouve veilleur de nuit, souffrant en permanence de douleurs dorsales. Condamné pour négligence, son employeur lui a versé 80 000 francs d'indemnité. Les négligences, le manque de qualification, le rendement sont les principales causes des accidents du travail. Et le fait de fumer dans un atelier ou un bureau sera-t-il bientôt considéré comme une cause possible d'accident du travail? Le ministère de la Santé veut en effet empêcher les Français de griller une cigarette tout en travaillant. Question, faudra-t-il être non-fumeur pour être embauché? Une première réponse avec cette enquête de Bertrand Hedel et Joseph Tual dans un lieu sacré où l'on ne fume pas depuis le XIVe siècle, la Bibliothèque nationale. Là où plane l'esprit depuis 600 ans, les volutes de fumée n'ont jamais eu le droit de citer. Ici, au XVIIe siècle, les bibliothécaires ne pouvaient ni s'éclairer, ni se chauffer, et ce pour des raisons de sécurité. Aujourd'hui, la tradition est respectée, on éteint sa cigarette sous le porche d'entrée. Il faut de plus en plus restreindre le tabac. Du reste, à la limite, je suis abolitionniste, même si je dois reconnaître que j'ai bien fumé un cigare de temps en temps, mais certainement pas à la Bibliothèque nationale. Dans ce temple de la culture livresque, les employés adeptes de la nicotine sont tous contraints, bon gré mal gré, de se plier à la règle. Ici, il n'y a pas de tolérance du tout. Enfin, on n'a pas le droit de fumer, donc la question est claire. Ça permet de fumer beaucoup moins, et puis on s'y habitue facilement, finalement. D'ailleurs, pour éviter tout malentendu, quand on signe avec la grande maison, on s'engage par contrat à ne jamais fumer durant ses heures de travail. Nous n'avons pas eu de cas de gens qui ont refusé un poste à cause de ça, mais je crois que les gens qui rentrent à la Bibliothèque nationale savent que c'est un endroit dans lequel on ne fume pas, et finalement ça sert de filtre. Sans jeu de mots. Sans jeu de mots, aucun. On devra peut-être bientôt créer des fumeries d'opium que Malraux décrivait si bien. Le gouvernement réussira-t-il à mettre fin aux inégalités à La Réunion, inégalités à l'origine des violents incidents? Il l'espère bien sûr et se fonde sur la satisfaction des élus de La Réunion qui ont accepté les mesures décidées aujourd'hui à l'issue d'une vaste table ronde avec Michel Rocard et plusieurs ministres, Jean-Baptiste Prédali, Alain Thomas. Toile de fond de ces 2 jours de discussion non-stop, les graves incidents de ces 2 derniers mois à La Réunion. Pour tenter de désamorcer la crise, une méthode, la mise à plat de tous les dossiers et tous les élus réunis face à 7 ministres. Résultat, pas de mesures spectaculaires mais des annonces concrètes, un pacte pour l'emploi, des aides à la formation et à l'agriculture. Michel Rocard avait souligné son message hier, priorité doit être donnée au développement économique. Et ce soir, la méthode de la table ronde paraît avoir fonctionné. Globalement, on peut dire que ces journées ont été constructives et vont rétablir l'espoir indispensable au développement économique des départements d'outre-mer, d'autant que le gouvernement a pris la précaution de dire pas de déstabilisation institutionnelle. Je considère que le ministre Louis Le Pinsec a réalisé un véritable tour de force en réunissant autant de ministres et en réussissant à dégager à la fois des crédits et, je dirais, des pistes de travail intéressantes. Sur le dossier brûlant de l'audiovisuel, Catherine Tasca s'est prononcée hier pour l'étude concrète d'un projet de nouvelle chaîne. L'ombre de Téléfreedom n'a pas plané sur les discussions.
À 10 000 km de Lille, l'ambiance paraissait même à un consensus version réunionnaise. Les Italiens vont commencer à pomper le pétrole qui restait dans les cuves du Havane englouti. Ils vont pouvoir éviter la catastrophe qu'ils redoutaient. Malheureusement, la nappe qui s'était déjà formée a atteint certaines plages. Reportage côté français de Christine Lehérant et Richard de Silvestro. Voici ces nappes irisées, très fines et éparses, qui se dirigent vers les eaux françaises. Cet après-midi, elles se trouvaient à 2 km au large de San Remo. Ces premières traces de pollution sont donc à 30 km de notre littoral. Le vent d'ouest les stagne pour l'instant. En suivant le courant ligure, elles devraient frôler plus ou moins les plages azuréennes. Mais selon les autorités françaises, elles sont tout à fait maîtrisables. Elles sont contrôlées par cet avion des douanes qui photographie par infrarouge plusieurs fois par jour leur progression. Situation plus difficile en allant vers le nord, vers Imperia, c'est là que les bateaux français opèrent. Ici, le pétrole dérive par énormes plaques solidifiées épaisses de 30 cm. Ce pétrolier récupère à l'aide du petit catamaran les nappes, les unes après les autres. Elles sont pompées, un travail de fourmi sur cette immense surface. Un deuxième bateau identique va arriver en renfort. Les opérations sont beaucoup plus délicates entre Savone et le lieu du naufrage. Le vent d'est se lève, la mer est agitée, la récupération du pétrole est difficile et les barrages perdent leur efficacité. Hervé Dino résume les autres événements couverts en France par nos rédactions régionales. Meurtre d'une fillette de 6 ans à Voreppe dans l'Isère, Sarah Siad a été retrouvée étranglée dans un bois situé à 200 mètres du domicile où elle vivait avec ses parents et ses 5 frères et sœurs. Selon les premières constatations des enquêteurs, la fillette aurait également été violée. Devant la cour d'assises de Toulouse, troisième jour du procès des parents meurtriers, en juin 1989, en 10 jours d'intervalle, ils avaient tué 3 jeunes filles. L'audience a été essentiellement consacrée à l'audition des accusés. Non au simulacre et aux faux semblants. C'est le message que sont venus délivrer à Paris à l'appel du syndicat national des instituteurs 3 à 5 000 enseignants. Le SNI approuve les réformes du système éducatif proposées par le gouvernement, mais déplore l'absence cruelle de moyens mis en œuvre pour les appliquer. Un avion sur 4 seulement de la compagnie Air Inter a décollé aujourd'hui suite à une grève de 24 heures déclenchée par l'ensemble des syndicats de navigants. Suivi par 75% du personnel, ce mouvement avait pour but de dénoncer le gel des salaires préconisé par la direction au mois de février. Remake en basket, la finale de la Coupe d'Europe des champions opposera Barcelone à Split. Hier soir, les Espagnols ont facilement dominé Tel Aviv et les Yougoslaves rêvent de conquérir un troisième titre consécutif. Jean-Philippe Guillain. Split is magic. Imaginez seulement que les Yougoslaves en jaune, champions d'Europe depuis 2 ans, ont perdu cet été leur entraîneur, arraché à coups de dollars par Barcelone, et 3 joueurs titulaires indiscutables partis à l'étranger. Mais l'école de basket yougoslave est bien la meilleure d'Europe, et les nouveaux venus se sont fondus dans le moule collectif d'un jeu fluide et très technique. Pourtant, les Italiens de Pesaro ont mené au score pendant presque toute la première période, jouant essentiellement sur leur intérieur Costa et Magnifico. Leurs deux Américains Cook et Day réussissent pratiquement tous leurs tirs. Et à la mi-temps, c'est Pesaro qui mène de 4 points, 45-41. Dans la seconde mi-temps, le numéro 7 de Split, Tony Kukoc, le meilleur joueur européen, échappe enfin au sévère marquage italien. Passe décisive, rebond défensif, interception, il est absolument inarrêtable. Avec Kukoc au top niveau, Split domine enfin Pesaro pour s'imposer 93-87. La revanche de l'année dernière entre Barcelone et Split s'annonce superbe. Demain soir, le vainqueur sera champion d'Europe 91. Et la finale sera diffusée par la 3 demain soir à 22h50. Notre invité pour conclure ce 19-20, Jean-Hugues Anglade. Bonsoir, merci de venir, on est ravis de vous accueillir. On vous invite pour votre rôle dans un film qui sort aujourd'hui. Oui. Et qui s'appelle Gawain. De Arnaud Célignac. Célignac. Et dans ce film, vous jouez l'histoire d'un papa. Oui. C'est un papa, oui, qui va vivre une aventure assez extraordinaire avec son petit garçon, puisqu'il va rentrer dans le rêve de ce petit garçon. Et c'est un film qui part d'un postulat assez réaliste, dans lequel on fait intervenir une dimension fantastique, et c'est un joli conte de fées. Voilà. Regardons ce conte de fées, un extrait en tout cas. Il arrive parfois dans la vie que tout bascule. Je ne connaissais rien à tout ça. J'étais désemparé. Mais je lui ai promis la lune, et j'irai jusqu'au bout. Je suis content que tu sois là. Je t'ai attendu longtemps, tu sais. C'est vrai, ne bouge pas.
Mika, oui. Voilà, la poésie existe encore au cinéma, je vous encourage à aller le voir. Donc vous êtes le papa extraterrestre. Voilà, oui, enfin bon, je ne voudrais pas trop déflorer en même temps non, le film, mais c'est vrai que ce papa va offrir à son, petit garçon un vrai rêve. Il va y investir de sa propre, énergie, sa propre, guidé par le seul amour qu'il a vis-à-vis de son petit garçon. Et voilà, c'est une aventure que j'ai eu plaisir à tourner. Alors c'est un film à la fois attendrissant et grave. Oui, il est grave au départ parce que effectivement il y a une sorte d'épée de Damoclès qui pèse comme ça, enfin qui est au-dessus de la tête de ce petit garçon et donc de ce père par voie de conséquence. Mais en même temps, c'est une aventure très très pleine de charme, de moments de drôlerie, de moments émouvants. Je crois qu'on évite totalement le pathos et que tout concourt pour que la fin soit... Alors je confirme. Félix, c'est votre fils dans le film. Oui. Il a 6 ans et on est impressionné par la qualité de son jeu. Impressionné, presque perturbé. Il joue trop bien pour un enfant. Oui, alors qu'au fond, cette qualité de jeu est assez imprévisible parce qu'il n'avait pas fait de... C'est son premier film, il n'avait donc pas d'expérience en tant que professionnel dans le cinéma. Mais ça fait partie du charisme un peu des enfants qui, une fois qu'ils se sont familiarisés très vite, il faut le dire, avec la technique du cinéma, sont capables de vous faire des moments d'acteurs, de vous produire des moments d'acteurs extraordinaires. Alors Gawain après Nikita, 37-2 le matin, après Maladie d'amour, vous jouez toujours dans des rôles graves. Écoutez, ce que j'aime bien dans les sujets, c'est de partir d'un postulat qui n'est pas forcément un postulat très drôle, mais ou très léger, et malgré tout essayer de tirer l'humour et un certain recul. Je crois que c'est ce que j'ai fait aussi dans des films comme Nikita ou dans 37-2. Voilà, je pense qu'on retiendra de ces films, comment dire, un peu ce double aspect, quoi. Voilà. Et vous avez aussi besoin d'écrire? Oui, enfin, ça c'est très ponctuel. Hein. Dans l'ombre de Gawain, c'est l'aventure très concrète de ce qui a représenté le vivre sous ce masque, de composer ce personnage de Gawain. Alors j'ai pensé que ça intéresserait peut-être les gens, dans la mesure où ils apprécieraient le film, de lire ce livre, quoi. Dans l'ombre de Gawain, publié par l'édition numéro 1. Voilà, ça va sortir le 2 mai dans toutes les librairies. Vous connaissez Paul Persson? Oui, je le connais parce que je sais que c'est un excellent musicien, guitariste, bluesman, enfin j'aime beaucoup. Eh bien, il a été sacré lauréat du 11e Buse d'acier au Grand Prix du rock français. Avant de nous quitter, écoutons Paul Persson et avant de retrouver Michel Touré. Bonsoir, à demain 19h.